Good morning, guys! Je suis en robe de chambre avec la toque sa tête. Pis ici, il y a le petit Milo! journée à la maison. Je suis en arrêt de travail maintenant. J'ai décidé de vlogger parce qu'aujourd'hui, on fait quoi, Joe? On cherche des trosses. Tu fais tellement de moments, là. On fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche des trosses? Et dans quelle. Voyons, raison. Je cherche mes mots. Dans quelle circonstance est-ce qu'on cherche des trosses aujourd'hui? Pour faire la chambre du bébé. Fait que là, on a sorti tout le stock de cochonneries qu'il faut aller porter. Tout ça, il faut aller porter ça au SOS Dépannage à Granby. Puis là, on cherche les trosses parce qu'on va comme mettre des moulures. Tu sais, je pense que je les avais montrées. On avait mis des planches. Finalement, Joe, il a comme une bulle. Puis il a dit qu'il voulait pas cette planche-là. Il voulait acheter des moulures. Puis c'est vrai, il a raison. C'est plus beau. Fait que je le laisse dans sa bulle. Là. C'est, des fois, il a des bonnes idées. Il me regarde juste avec un petit. Ouais. Bon, oui, c'est un washi tape de cupcake. Pour nous donner un approximatif. Là. Dans le fond, c'est qu'on va mettre à hauteur de 4 pieds. Ben, 10 minces comme ça. Puis on veut comme mettre des bandes comme ça. Là, il reste quelques affaires à ranger, mais sinon, ça s'en vient quand même bien. Toutes les affaires de bébé sont là. On a une coupelle, là. Ouais, c'est une coupelle, là. J'ai hâte de pouvoir placer ça. On devrait peinturer la semaine prochaine. Fait que c'est un processus que je vais filmer sur un long vlog, parce que, tu sais, on entend nos pays, hein, des fois. Fait qu'on peut pas tout acheter d'une shot, parce que des moulures, ça coûte cher! Ça, c'est la couleur qu'on a choisie pour la chambre. Ça, c'est très mode. Comme une palette de turquoise, là. Je peux dire, t'en as des plus pâles. Mais nous, on est allé avec celui-là. Puis on va bien voir. Là. On veut quoi vraiment. Moi, je l'ai turquoise, là, mais je l'ai pas trop foncé, genre comme ça. Ben, je crois que ça faisait trop garçon comme ça. Celui-là, ça va être assez unisex. Fait que, ouais, ça va être ripopé. Mais chez Rona, il y a un spécial sa peinture. Mais il se termine la veille de notre paye. Fait qu'on check les cadrages, les cimaises. Parce qu'il y a une tête. Ben non, il est 7$, Joe. Il est genre une pièce au de l'eau, puis il fait même Christy d'affaires. Sauver de l'argent, où est-ce qu'on peut? Regardez! Des moulures! Ok, fait que aujourd'hui, on finalise la chambre de bébé et je suis contente. Faut juste les peintures, là. On vient d'aller les acheter. Là, je sais, c'est pas débile avec le ça, mais bon, à un moment donné, on fait des choix, là. Je suis en train de tout mettre du masking tape, comme pour peinturer ça, puis je vais pouvoir ramasser, genre, toute la petite bordel qu'il y a à grandeur, genre. Je suis juste plus capable, mais vraiment plus, mais plus capable. Ça traîne. L'autre jour, il est allé acheter les dernières, parce qu'on va mettre des moulures debout, comme dans la partie blanche. Puis il est allé acheter les dernières. Je pensais pas faire ça aujourd'hui. Finalement, j'ai 2h30. Puis il a dit, ah, ben, je vais aller au Rona, je vais les acheter. Fait qu'on finit ça aujourd'hui. Puis je suis super contente. Ça fait 17 degrés dehors, un 20 février. Genre, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué à la suite, quand on a fini la chambre de bébé des Rosiers. En fait, elle est pas totalement finie. Il reste quelques trucs à faire dans le sens monter le lit, acheter et installer les rideaux et ainsi de suite. Mais je vais peut-être aller vous montrer de quoi ça a l'air. C'est un peu le bordel en ce moment, là, parce que bon, il y a des affaires qu'on a encore fait le ménage dans l'appart pour épurer, pour faire de la place. Fait que, tu sais, il y a des choses qui vont comme prendre de bord encore, mais bon, je peux aller vous montrer ça. Donc, de quoi ça a l'air? C'est terminé, comme vous voyez. Bon, des jouets de chat, chaises, écrans, ça part à part là. Ça, c'est cadeau de shower à ma belle-sœur en fin de semaine. C'est d'autres stocks de linge de bébé qu'on nous a donné. Mais bon, avec les caissons, vous voyez, là, c'est fait comme des trucs comme ça. Mais il n'y en a pas la fenêtre, simplement parce que, tu sais, il va y avoir comme des rideaux qui vont comme tomber. Ça paraîtra même pas. Fait que ça, c'est tout du stock à donner, sauf le bac bleu. Parce que le bac bleu, c'est encore du linge, mais il faut que je repasse dedans pour tout. Le lit, bon, bref. Ça, c'est une tablette qui va aller au-dessus de la table à langer, mais les stores en arrière, c'est parce qu'ils ne fêtent pas dans mes fenêtres, puis c'est mes stores de mon ancien appart à Granby, genre quand j'étais aux études. Et, il y a pas le rideau dedans aussi, bon. Faut comme que, je veux comme essayer de les vendre parce qu'ils ne fêtent pas, tu sais, ils sont comme trop gros pour entrer dans le carré de la fenêtre, puis bon, quitte à les mettre dehors, puis repercer les mouleurs, puis tout, ça nous tente pas. Je vais essayer de les revendre, sinon ils vont juste comme prendre le bord, là. J'ai mon armoire qu'il y avait dans le salon que j'ai décidé de mettre ici. Je sais pas ce que je vais mettre encore dedans. Un top de litière par rapport, des équerres par rapport. Ma table à langer est là. Vous voyez, j'aime trop, beaucoup trop
Mon petit matelas, là, l'ai acheté au Walmart, genre pour une vingtaine de dollars. J'ai une poubelle à couches. Ça, c'est une ancienne poubelle que je sais pas trop ce que je vais faire encore avec. Là, je la garde. La table de chevet, je l'ai mis là parce que je sais pas quoi faire encore avec. Là. Elle était dans notre chambre avant, mais là, il y a comme plus de place à cause de notre leaking. Fait que ça compte pas rapport. Fait que grosso modo, c'est ça. La chaise berçante va aller comme par là. Puis la bassinette, elle va aller sur le mur du fond. Puis je vais garder pour l'instant la petite table avec la lampe ici. Là, je vais mettre des toutous, des choses comme ça. Mais là, il faudrait peut-être que je me donne une idée un petit peu plus fixe. Une idée plus fixe dans le genre de quoi qu'elle a l'air la bassinette montée. Je sais quoi qu'elle a l'air, là, dans le sens que je l'ai juste en photo. Je l'ai jamais vu monter chez nous. Puis ouais, puis là, le garde-robe de bébé, il est comme loadé de stock. Faut vraiment, tu sais, je veux pas laver le linge tout de suite parce que je trouve ça ridicule. Là. Je veux dire, j'accouche au mois de juillet, là, si tout va bien. Fait que, tu sais, c'est pas... Ça vaut pas la peine tout de suite, mais je vais peut-être reclasser... parce que je trouve que j'en ai déjà beaucoup trop, fait que je vais peut-être reclasser des affaires. Crier ma boudine! Ça pousse! T'as 21 semaines dans... 2 jours, je vais compléter ma 21e semaine. Ça fait quelques jours que je file so-so, je file bizarre, comme si j'étais plus enceinte et tout ça. Mais ça, c'est mon anxiété, c'est mes hormones. Puis j'ai arrêté mes antidépresseurs parce que oui, j'en prenais des vraiment pas forts depuis le mois d'octobre sur une base régulière, mais à très petite dose. Puis je les ai arrêtés. Fait qu'on dirait que j'ai comme un pic d'émotion. C'est aussi, c'est l'enfer. Allô? T'es-tu bonjour? Oui. Je pense que je vais aller monter à bassinette. Pour vrai, j'ai rien d'autre à faire, là. Puis des fois, je dis bassinette. Des fois, je dis bassinette. Je sais pas comment le dire. Vous autres, vous êtes ça comment? Je viens de finir. Elle est super belle. Je suis très contente. Mais bon, je suis en tabarnak. Savez-vous pourquoi? Ça, c'est une bassinette que j'ai achetée used chez une fille qui avait l'air de confiance. Il manque toutes les vis pour accrocher le truc à matelas et 4 vis pour la structure. Merci. Puis tu sais, c'est pas des... Tu sais, genre, il en manque comme 2 grosses ici. Il en manque 2 autres en avant. Tu sais, c'est ce qui tient comme le tout. C'est solide, ça ferait l'affaire. C'est juste que ça me fait chier, là. Tu vends quelque chose, t'es même pas foutu de dire il manque des vis. En tout cas, il y en a un content ici, là. Ça m'écarte tellement, là. C'était super clean. Puis là, tu sais, je suis en train de la monter, ça va bien. Puis faut que j'aie une mauvaise surprise, tu sais. J'étais couchée à côté de ma main, hein, ça paraît. Aujourd'hui, journée chargée en émotions. Mais moi, puis Joe, on a appris qu'on allait être les parents d'un petit garçon. Fait que. On est heureux, puis c'est ça. Puis il y a juste une affaire qu'il faut que je fasse, que je veux me débarrasser au plus sacré pour que vraiment je tasse tout ça dans ma tête. Bon, fait que je vais enlever les petits bouts de rose là, que j'ai, comme ça, là. Des petits bouts de rose un petit peu partout. Parce que, bon, oui, j'avais acheté quand même assez unisexe dans l'ensemble. Tu sais, j'ai rien comme contre le fait de mettre du rose à un garçon. Ça me dérange pas. Genre, s'il y a des chaussettes roses, je verrais pas folle, là. Mais, tu sais, un pyjama avec des petits lapins, des petites fées, rose nanane, mauve, à un moment donné, tu fais comme, ben, je sais pas. Fait que je vais juste comme faire le ménage, puis je jette rien. Je redonne tout à ma meilleure amie. Je redonne tout ça pour son futur bébé, mon petit linge qu'elle m'avait donné. Hey, puis je vais pas montrer ça. Mais... La chambre est comme finie. Bon, ça, c'est très temporaire. C'était pour me donner une idée. Il y a une chaise versante qui s'en va là. J'ai placé ma table à langer. J'ai installé ma tablette. Ça, c'est temporaire. C'est parce que je cherchais une place pour mettre les échos. Puis là, c'est ça. C'est l'échographie de ce matin. Ici. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fini ma table à langer. Je suis restée à mettre les produits puis tout. J'ai comme classé, en tout cas, plein de stuff. Comme vous voyez, il y avait du rose. il manque des affaires, là. J'ai comme commencé à installer des trucs ici et là. Le lit est monté avec un petit ciel de lit. Si vous voulez rire, là, ça, c'est un voilage de mariage que j'ai récupéré. Fait que je voulais comme pas enlever le pain. Puis je pense que je vais juste la peinture en blanc, ça paraîtra pas. Fait que c'est ça, là. Puis ici, j'ai comme l'écran par rapport. Ça, c'est un lot tout. Puis bon, vu que c'est un petit gars, je vais laisser faire des petits souliers, là. C'est tellement cute, là. C'est comme des petits souliers en porcelaine, puis tu peux écrire les informations, genre date de naissance, le poids, puis tout. Puis là, c'est ça, hier, j'ai fini le garde-robe, j'ai comme tout classé le linge par grandeur. Fait
Parce qu'il me restait à faire, c'était dans le fond de le laver puis de classer ce que j'ai, ben, ce que j'ai pas de besoin finalement. On a acheté la coquille. Ça, c'est génial, la coquille. Là, je vais donner plus d'informations sur mon stock de bébé, là. Mais c'est tellement génial, là. On ne l'a vraiment pas payé cher. Ça, c'est des petits coulous, là. C'est des trucs comme une espèce de pochette pour mettre le bébé dedans. J'en ai deux. Puis, je les avais achetés unisex. Puis, un autre, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Fait que c'est ça. Fait que là, je viens de me faire un café. Puis, je m'apprêtais à classer le linge. Ben, classer, enlever le linge rose que j'ai pas de besoin. C'est triste parce que, tu sais, j'avais quand même du beau linge de petite fille. Mais bon. J'ai quand même autant de beaux linges de petits garçons, fait que je suis comme, je suis tellement contente. Je suis tellement heureuse, petit bébé garçon. Je vais tout compter, je vais tout donner plus de détails dans un, dans mon bump date de mon 5e mois de grossesse, parce que je veux pas mélanger les choses, j'ai plein d'idées vidéos, je vais quand même pas tout mettre en même vidéo. Mais pour l'instant, un petit garçon en santé, il y a quelques affaires qu'il faut vérifier, mais pour l'instant tout va bien, c'est rien de dramatique, j'en parle pas parce que je veux pas juste me concentrer là-dessus, je veux dire, c'est des choses qui sont pas dangereuses juste par rapport à un terrain, mais c'est rien de compliqué, c'est rien de difficile, de super grave. Je vais en parler plus dans une autre vidéo, il n'y a pas de trouble. Fait que c'est sûr, je vais aller clasher du linge, yeah! Est-ce que je vous ai déjà présenté ma poupée? Aïe aïe! De quand j'étais petite, quasiment la grandeur d'un vrai bébé. Là, elle est un peu couettée, là. Elle a pas de nom. En fait, quand je jouais à l'école avec mes toutous et ma poupée, elle s'appelait souvent Annabelle. Je le sais, c'est pas le plus beau nom pour une poupée, hein. Mais non, c'est ça. Pour vrai, si je la garde pareil, là, c'est ma poupée, là. Puis, c'est tellement niaiseux, mais. Et genre, ça, c'est mes coups de cœur. Je vais te déposer là, ma chère. Check comment elle est grande, pareil, là. C'est fou, là. En tout cas, oh mon dieu, c'est tellement sale. Okay, bon, bref. Ça, c'est mon linge coup de cœur de petite fille que j'avais. Puis j'ai juste envie d'y mettre juste pour voir si ça y fait. Puis je vais peut-être y laisser un kit parce que, écoute, là, ça, c'est tellement vieux, là, ça n'a juste pas de sens. Elle bougeait des yeux, comme vous voyez, là. Elle bougeait des yeux comme ça. J'avais un biberon, t'avais la suce, elle pleurait toute. Arrière. Non, c'était vraiment cool, ça. Une poupée vraiment cool. Juste que là, je l'ai genre mis dans la piscine quand j'étais jeune. Fait que même si dans le dos, je pourrais y mettre ses batteries. C'est comme, oublie ça, les batteries, ça marchera pas, là. J'ai nayé le système électrique, là. J'ai fini. C'est quand même pas si pire, fait que ça a l'air de ça. Puis de toute façon, ma mère m'a demandé qu'est-ce que je voulais au shower, fait que j'ai fait ma liste et tout. Et j'ai demandé justement des kits de linge qui me manquaient, fait que ça va compléter. Puis c'est ça, là j'en ai pas beaucoup dans le 3-6 mois, fait que c'est ça. De toute façon, en usager c'est jamais bien cher. Puis ça c'est genre 6 mois et plus, là ça va jusqu'à genre 18 mois, fait que... Salut bébé! J'allais mettre ça dans le bac bleu. Là, en dessous là. Puis c'est ça, ça va être fait pour ça, puis on va être fixé. Je pense que je vais aller écrire mon journal de grossesse, parce que oui, j'ai un journal de grossesse. Puis je vais relaxer, parce que j'ai un peu mal à la gorge, j'ai pas bien dormi la nuit passée, fait que je vais relaxer un peu, boire mon café, regarder mes réseaux sociaux, recharger mon téléphone, parce que je le pète tout le temps, ça charge, je couche tout le temps là-dessus. Puis juste prendre ça relax, là, parce que c'est ça, ça a été assez chargé d'émotions, je dirais, depuis ce matin, là, c'est fou, là. J'y crois pas encore que je suis enceinte d'un petit garçon. C'est fou, le petit gars. Je connais rien au petit garçon! Oh mon dieu! Ça va être malade!